S'il est difficile d'observer la géologie du substratum au centre riverain de Brundage Point, il n'en façonne pas moins le paysage environnant. Pour la plupart, les roches de Brundage Point et celles de la péninsule de Kingston, de l'autre côté du fleuve Saint-Jean, sont des roches volcaniques du Silurien, datant d'environ 435 millions d'années. Dures, elles sont responsables du vallonnement du terrain qu'on voit au loin. Les glaciers couvraient toute la région au cours de la dernière glaciation et ont atténué le relief des collines et des vallées. Les vallées du fleuve Saint-Jean et de la rivière Kennebecasis suivaient la structure rocheuse de la péninsule de Kingston, le long de grandes lignes de la faille. Ces unités lithostratigraphiques distinctes sont appelées des terranes. Un terran est un fragment qui s'est détaché d'un morceau de la croûte terrestre et s'est joint ou soudé à une autre plaque de la croûte. Certains ont traversé la moitié du globe. Le géoparc Stonehammer se compose d'une série de terranes empilées sur l'ancien noyau de l'Amérique du Nord. Chacun de ces terranes a sa propre histoire géologique. Brundage Point se trouve sur le terran de Kingston, qui doit son nom à la péninsule de Kingston. Avant de se jeter dans la baie de Fundy, le fleuve Saint-Jean rencontre deux autres terranes. Le Saint-Jean rejoint la mer en passant par Brundage Point. 15 km plus loin, il traverse la gorge des rapides réversibles et se jette dans la baie de Fundy. Vu d'ici, le paysage a énormément changé au fil du temps. Il y a 15 000 ans, cette vallée était complètement recouverte de glaciers. Lorsqu'ils se sont retirés, l'océan a inondé la vallée et a formé une mer intérieure qui s'étendait jusqu'à Fredericton et au-delà. Au cours des milliers d'années qui ont suivi, le niveau de la mer a baissé et la terre s'est soulevée en se libérant du poids de la glace. Le lien avec la mer a été coupé et une série de chutes d'eau se sont formées au rapide réversible à Saint John. Le Saint-Jean est devenu un grand lac.